Nous retrouvons à présent François Lambert, neveu de Vincent Lambert. Bonsoir François Lambert. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. L'annonce des parents de Vincent Lambert qui se disent donc résignés, la mort est inéluctable, ce sont leurs mots. D'abord, votre sentiment dans ce conflit familial. Vous avez toujours soutenu Rachel Lambert, la femme de Vincent Lambert. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui ce que vous ressentez, du soulagement? Oui, plutôt de l'apaisement. J'étais dans le service, c'était très calme. Voilà, et je suis extrêmement surpris par le message des parents de Vincent, parce que, bah, en gros, il est très contradictoire. Il continue de dire que c'est une mort qui lui est imposée, c'est-à-dire que c'est un assassinat, et qu'en même temps, comme ils sont résignés, ils vont être dans le recueillement et dans la dignité auprès de lui, ce qui est quand même, de mon point de vue, une très bonne chose. Cette résignation, pardon, François Lambert, c'est peut-être aussi, ça va dans votre sens, hein, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de recours. Mais ils l'ont dit en plus, hein. Ils ont dit qu'ils avaient passé toute la semaine dernière à essayer de faire des recours et que ça n'avait pas marché et que c'est pour ça qu'ils se résignaient. Mais effectivement, on aurait pu craindre, enfin moi je craignais des réactions un peu plus violentes de leur part, pour être tout à fait honnête. Violents aussi dans d'autres combats qu'ils ont menés il y a des années. Là voilà, je suis plutôt satisfait que ce soit très calme et qu'il y ait de l'apaisement derrière et que ça permette au moins aux autres de profiter de ces derniers instants avec Vincent. Donc oui, je suis plutôt très surpris et très satisfait par ça. Après, il ne faut pas se leurrer, ils ont déjà dit qu'une fois que Vincent serait parti, ils continueraient les plaintes, ils continueraient d'autres choses. Donc, Le père de Vincent Lambert, par exemple, parle d'assassinat déguisé. Oui, absolument, c'est un assassinat déguisé. C'est une euthanasie, comme il dit. Alors, ça n'est pas tout à fait une, mais voilà, c'est ce qu'il dit. C'est son ressenti, effectivement. Et on sait qu'ils sont très énervés, mais c'est très étonnant cette réaction qu'ils ont. Moi, je pense honnêtement que c'est aussi parce que la loi Leonetti les satisfait quelque part, parce qu'elle leur a permis de garder Vincent en vie pendant 6 ans et qu'elle leur permet beaucoup de procédures juridictionnelles et qu'il y a un langage commun malgré tout. J'allais vous emmener justement sur la question de la loi. Vous attendez de la société, hein, du législateur bien sûr, mais de la société dans son ensemble, qu'elle tire des enseignements de ce que vous avez connu, vous, dans votre famille ces dernières années? Ah oui, j'espère bien, mais c'est pas la société d'ailleurs, parce que la société elle est prête, hein. Il y a des gens qui reculent à longueur de temps, qui font en sorte que les choses reculent. Malheureusement, la loi Leonetti, elle fait partie de ce mouvement, c'est-à-dire que c'est un langage commun avec les provis, quelque part, et même si eux-mêmes ne sont pas provis, il y a un langage commun qui est tenu avec eux, et il y a une façon de stigmatiser en fait tous les gens qui sont favorables à l'euthanasie et de lutter contre l'euthanasie. Et ce qu'on a vu pendant 6 ans avec Vincent, c'était principalement une lutte contre l'euthanasie pour expliquer que ce n'était pas une euthanasie, que donc tout le monde devait être d'accord avec eux, y compris les provis. Et ça, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de concessions qui leur ont été faites et de compromissions, de mon point de vue, qui ont été faites. Je pense que ça explique le calme des parents de Vincent aussi, parce que cette loi, comme je vous dis, elle leur va à peu près. La société civile, elle est prête, on le sait très bien. Tous les sondages le montrent. C'est le législateur qui doit prendre les choses par là et par les rênes, si je puis dire, qui doit prendre ce problème, qui doit le régler, qui doit donner un cadre qui fasse en sorte que des choses comme des affaires comme l'affaire Vincent Lambert ne se reproduisent pas. Là, il y a des risques que ça se reproduise. Le risque que ça se reproduise, c'est pas forcément qu'il y ait 6 ans de procédure, c'est que s'il y a un proche qui n'est pas d'accord quelque part, les traitements du patient soient maintenus. Parce que les médecins se diront, 6 ans d'affaire Vincent Lambert, s'il y a un proche qui n'est pas d'accord, nous, on va le maintenir en vie parce que le proche là, il pourra rien faire et que le patient, c'est pas le plus sujet. Ce qui compte, c'est quand même l'apaisement, etc., etc. Donc, il y a ce risque-là. Donc, j'espère que le législateur, effectivement, va se servir de cette affaire. Il va voir qu'il y a eu des choses très, très concrètes, très, très pratiques qui peuvent être mises en place et qu'il y a un dogme de la loi Leonetti qui doit pouvoir être contourné, arrêt des traitements ou euthanasie d'ailleurs. Moi je suis plutôt favorable à l'acte euthanasique, mais on peut aussi envisager ça sous l'angle de l'arrêt des traitements. Il y a des choses très pragmatiques à faire sur une loi qui n'est absolument pas pragmatique, mais qui est en réalité très idéologue par rapport au combat qu'elle mène avec les provis. Alors justement, aujourd'hui, depuis mardi dernier, Vincent Lambert n'est plus alimenté, il n'est plus hydraté. Quand vous le voyez, puisque vous avez la possibilité de le voir, est-ce que ça change quelque chose en ce moment? Ah bah oui, clairement, sur le corps, je vais pas vous faire une description, mais enfin tous les gens qui ont vécu ce genre de choses, ils vous le diront, sur le corps c'est extrêmement violent, enfin c'est vraiment, enfin quand on le voit dans cet état et quand on voit ce que ça fait et quand on nous dit que il y a une sédation mais qu'on est décrit très précisément ce qui peut se passer, voilà, au final c'est le cœur qui lâche parce qu'il en peut plus, les organes luttent mais ils en peuvent plus non plus, voilà, et on le voit presque physiquement, je veux dire, on peut voir la poche d'urine, on peut entendre la respiration de Vincent, on peut entendre, physiquement, on voit qu'il y a une lutte et qu'il y a en même temps un départ qui se prépare et que c'est quelque chose de très violent parce que ça dure très longtemps en fait. Vous serez dans sa chambre la nuit prochaine, je crois. Oui, cette nuit-là, oui. Vous lui parlez ?
Non, je pense que je vais mettre de la musique. Là, je me suis rendu compte quand les journalistes m'ont posé la question à la sortie, savoir si ce que je lui avais dit, en fait, je lui avais rien dit du tout. J'étais rentré, j'ai juste regardé, et voilà, je me suis juste assis avec lui et j'ai parlé un peu à Rachel qui était là, son épouse. Mais comment va-t-elle? Non, cette nuit, bah, elle est très fatiguée justement parce que pour ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même physiquement éprouvant comme processus, l'arrêt des traitements. Et surtout avec la volonté de ne pas faire d'euthanasie, c'est-à-dire à faire durer les choses le plus possible. Voilà, donc moi cette nuit je serai là effectivement et je sais pas si je vais lui parler, je pense que je vais mettre de la musique, je vais peut-être lui parler un petit peu évidemment, mais pas, à mon avis, pas beaucoup plus que ça, parce que c'est bien que chacun soit dans le recueillement, et même si on pense qu'il n'est absolument plus là, il y a toujours une humanité à lui accorder jusqu'au bout, et du coup je pense que c'est bien aussi qu'il soit dans le recueillement seul, c'est-à-dire lui parler quelques temps, mais d'être avec lui aussi, pour que lui soit dans le recueillement de son côté et que moi je sois dans mon recueillement de mon côté, et pas forcément interférer avec ses derniers instants non plus. Merci François Lambert. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1. François Lambert, le neveu de Vincent Lambert dans ce conflit familial. François Lambert qui a toujours soutenu l'épouse, Rachel, l'épouse de Vincent Lambert. Il est 18h18.